Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue en Retro Saga, bienvenue dans le 17ème épisode de l'émission. Bonsoir. Bah, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Bienvenue dans Medieval, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. J'ai chaud. Je prends une bonne douche. Et j'ai actuellement très chaud. Merci le noob création pour ton follow, bienvenue ici, bienvenue chez nous, voilà, et Kuraz bien entendu, si tu te poses encore la question, non, ça fait que commencer, il s'était marqué sur l'overlay, mais bon, je peux comprendre que peut-être que tu écoutais, peut-être que t'es arrivé, tu t'es, oh mon dieu, peut-être que c'est terminé, mais en fait non. Non, mais ne parlez pas de Nimedia, vous savez, j'ai assez mal comme ça. Je pense qu'il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Vous savez, c'est pas facile de perdre son associé. Et donc je préfère ne pas en parler. Je préfère finalement oublier, essayer de passer à autre chose et essayer de me concentrer sur quelque chose de plus joyeux. Voilà. Du coup, bah, je cherche une nouvelle graphiste ou un nouveau graphiste. Un nouvel ami, finalement. Bref, du coup, je pense pas qu'on va terminer le jeu aujourd'hui. En fait, on m'a fait comprendre qu'il y avait quand même pas mal de niveaux encore. Du coup, on va continuer. Je préviens, on ne fera pas le 100% tout simplement parce que on le fera sur la version 2019. Ça va pas. Calme-toi bien. C'est la version 2019. Donc on va faire un sorte de any% 95% afin que tout le monde ici présent soit content finalement que je fasse le 95%. Puisse, c'était pas mal. Voilà. C'est super bien, finalement, de dire « Zapin finit jamais ses jeux !» Parce que tout le monde aura oublié demain que finalement j'ai fini les 3 Spyro à plus de 100% et que j'ai les 3 platines, bien entendu. Et tout le monde se rappellera que je n'ai pas eu le 100% des trophées sur Crash. Voilà. Je pense que c'est un trou. Mais finalement, un trou, faut pas foncer dedans. Mais par contre, faut lire. Alors, depuis que les fermiers ont été capturés par les démons des ténèbres, les animaux sont affamés. La vie. Bah, fais pas le con. Non, mais je peux pas. Bon, je saute. Dommage. C'était raté. C'est un pont-levis. Qui dit pont-levis, dit sûrement, faut faire descendre le pont-levis. Et Anaris dit quelque chose de très vrai. Tu n'as pas fini le jeu à 100%, mais à plus que 100% finalement. Alors s'ils sont affamés, il y a peut-être un truc à faire ici, ou il y a peut-être un truc à donner. Que j'ai un truc avec moi, non, juste un aliment. Je peux leur donner des poulets, mais en fait j'en ai même plus. Je sais que j'ai chopé 14 calices, ça sert pas à rien, mais attends. Peut-être que le jeu est un bon jeu. Est-ce qu'on peut avoir une vue Est-ce que je peux les tuer? Non. Il dit juste que les... Alors bien sûr, pas de spoil, pas de backseat, pas d'humour, pas de toutes ces choses-là. Calme-toi bien sur les poules. Peut-être que c'est des poules méchantes. Ah mais attends. Ah, elles ont juste faim. Bah oui, finalement. Elles sont affamées, elles ont faim. Pas de fun. Et surtout, si vous êtes là
Pour prendre du plaisir, n'hésitez pas à venir demain. Demain soir, c'est Pleasureland aujourd'hui. Enfin, c'est Pleasureland sur Console Mania. Bienvenue au château Donc, Pérégrin. Voilà. À l'époque du roi Pérégrin, cet édifice majestueux abritait le trône ainsi que toute la famille royale. Aujourd'hui, il n'abrite plus que des fantômes et des souvenirs oubliés. Bah, des souvenirs oubliés, ouais. Ça me rappelle un truc. Des souvenirs oubliés. Comme une graphiste, finalement. Non, mais du Valounet, ça ne sert à rien. Je veux découvrir des nouvelles choses sur le jeu en 2019. Voilà. Et même si j'ai la comparaison ultime est un bon argument, je dirais que quand même, le but de Retro Saga est d'avancer. D'avancer vers l'avant. Finalement, il faut que j'avance. Fermez son désigné à la cour quelque part d'ici. Au premier désert, le démon. Ok. Fais vite, anéantis les démons qui sont de garde et libère les fermiers. Oh, oula. Pardon. Le but. Bah oui, ça, je suis très feignant. Oui, la dernière fois, j'ai promis, mais tu sais. Je reviens souvent sur ce que je dis. Non. Je pense que vraiment faire le 99%, ça serait peut-être même mieux. Je pense que ça permettrait de... d'avoir la comparaison ultime. D'accord, donc ça... J'ai utilisé 40 flèches, enfin 40 carreaux pour ça. Aucun problème. Vous savez, moi j'ai pas de problème avec ces choses-là. Ah, une bonne âme a été perdue. Ah bah oui, du coup ils vont foutre le feu à tout le monde. Bah oui, c'est vrai. Bon bah voilà, pas de 100% quoi. Encore une fois, vous venez de voir que bah pas de 100% quoi. J'ai laissé tuer les... Enfin, des gens sont morts. Des gens sont morts, on recommence. On faut faire le 99% quand même, c'est super important. Parce que je vous avoue quand même, j'ai une certaine envie assez violente de jouer à... Ok, bon, en plus, c'est bon. De jouer à Tomb Raider 2. Je pense que je vais prendre du fun. Allez. Allez les poules coco, on y va. Allez hop. Hop. Consommer. Non, je pense que il y a moyen de s'amuser. Allez, t'as faim. Non mais Shentai. Voilà. Personne ici présent peut avancer avec une honnêteté réelle que je n'ai pas terminé. Shentai. Vous avez tous vu. Allez là-haut. Bougez votre boule. Consomme. Oh mon dieu. Bonsoir. Ça, c'est vrai gameplay, ça. Tu vois, ça, Red Dead, il le fait pas. Et si Red Dead ne le fait pas, il prend pas autant de risques que ça, quoi. Bouge ton poule, quoi. Parfait. Allez. Alors... J'arrive. Libérez-nous. Oh là, ça a un accent. Il y a un accent là. Oh. Oled. Oled.
C'est quoi cet accent? C'est quoi cet accent de paysan? Libérez-nous! Alors. Ouais, ouais, j'arrive. Libérez-nous! Alors, j'imagine. Est-ce qu'on peut être malin? Non. Est-ce qu'on peut être vraiment malin? Oh, il fait super mal. Peut-être qu'il y a un truc là, non? Il y a de l'eau. D'accord. Peut-être faut... Voilà. Mais j'ai sauté! C'est du goudron! Mais libère-les, attends. Glossophobie. Glossophobie par rapport à... Glossophobie. Bon, Konshiba, j'ai appris que t'as battu ces fameux... ces fameuses gargouilles. Comment t'as fait? Attends, mais il y a problème là. Libérez-nous! Bah oui, mais je veux bien vous libérer, les potes, mais. Qui a cru en toi? Parce que. Ah, peut-être, attends. Libérez-nous! Bah non. Ah, il s'est fait spoil. Oh, lui, il s'est fait spoil. Olud! Si j'arrête le feu avec la magie. Non. Bah non. Alors j'imagine que si j'appuie sur le OLED, si j'appuie sur le bouton, ils vont tous mourir. Peut-être qu'il y a un truc. OLED. La caméra. Ah, je... Oh mais j'ai pas envie de recommencer. Ah voilà. Attendez. Ah d'accord. Ah bah je sais pas comment on fait. Attendez, je vais chercher. OLED. Non d'accord, ils ont consommé. Elles ont consommé. Tu es un monstre. Ouais mais attends, il y a peut-être un moyen de faire en sorte qu'ils ne meurent pas. Ça se trouve, en fait, il y avait un passage que j'ai pas vu. T'as des Jean-Michel 101% des Souls qui doivent s'arracher les cheveux, me voyant galérer, c'est plus fort qu'eux. Mais attends, mais qu'est-ce que fait ta modération? 1. Parce que, bon, je vais pas taper sur Snap, il y avait pas que Snap quand même. Snap n'est pas le seul modérateur. Passer, non. Ouais, bah oui, c'est vraiment l'enfer. Attends, peut-être qu'il me dit quelque chose, lui. Oh, mais les ordres des démons sacrifiant les esprits. Fais vite à les démons qui sont en garde et libère les fermiers. En fait, il me donne une clé. Bah, du coup, ça ouvre ça. Peut-être que. Non. Bah pff, non, pas trop le premier Souls, non. Alors, il y a vraiment rien à faire là. Nécessite. Moi j'ai la quoi? J'ai la rune Chaos. Chaos. Pardon. Il me faut cette rune, mais comment je l'ai? Comment je la chope? Non, mais c'est nul. Il y a un truc. Ultra bouillante, tu vas faire brûler tes pieds, tu verrais mieux de trouver comment boucher les trous. Oui, bah oui. Voilà, si Astéof m'a donné 2-3 conseils, on m'a fait remarquer que j'avais raté, mais ça n'a pas non plus balancé la strat pour tuer un boss. Et bah alors, mais par contre, c'est avant-hier. Donc avant-hier, on t'a aidé, c'est ça? Peut-être que... Ça arrête pas le feu, non? Non. Ah, c'est vrai que je peux faire du feu, moi. C'est vrai que je peux faire du feu. J'aurais pu les brûler. Là, Snap avait Théo. Ah, bah voilà. Alors, comment ça s'est passé? Ah, peut-être que je peux brûler le... Bah non. Est-ce qu'il y en avait un, là?
Il y avait rien. Hein. Et je peux pas m'accrocher, non. Bon après, Uchiba, tu es grand, je veux dire. Je veux dire, outre les modérateurs, en fait, je suis en train de me dire, c'est pas la faute des modérateurs si toi t'as accepté de te faire spoiler, finalement. Donc, j'ai envie de te dire. Je me demande si en fait je pourrais avoir le 100% même en faisant ça et que du coup cette histoire de bonne âme c'est pas du flan. Bah non mais c'est vrai parce que j'étais là le premier stream, j'étais là le deuxième, j'ai vu comment ça s'est passé, j'ai vu que tu ne faisais pas grand chose. Clé en argent, ouais. En fait, finalement, les coffres, c'est nul. Ah. Ok. Voilà. Donc, dans un sens, c'est pas très grave. Mais oui, Nimélia est encore là. Bien entendu. Merci, Ijub. Merci pour le follow. Ah, je sais pas comment on fallait pour les sauver. Sœur Danielle Fortesque, cela faisait longtemps. Bienvenue au château Pérégrin. Quelle tristesse que tu découvres ces ruines. Le joyau de la couronne de Galomère est devenu le refuge dépravé de l'armée de Zarok et de ses démons des ténèbres. Trop bien, ça aurait pu être résumé en « Le méchant et son très méchant ». Fais gaffe. Non mais après bon voilà, il a choisi sa modération, mais pas dans le sens sa modération, son équipe de modération. Il a choisi comment, qu'est-ce qu'il acceptait, qu'est-ce qu'il acceptait pas. Mais je pense que peut-être, alors c'est à mon humble opinion, hein, bien sûr, enfin mon humble avis, pardon, opinion, avis, bon, on s'en fout. Je pense que le fait d'avoir eu du monde, ça l'a un peu finalement, comment dire, ça lui a mis un peu la, pas la pression, mais il s'est dit, oh, si je demande de pas backseat, ça, les mecs vont se barrer quoi. Ou alors si je recadre, les mecs vont se barrer. Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Non mais là c'est pas être non laxiste. Ça c'est la redéfinition même du laxisme ce que tu as fait. Mais à la limite c'est pas grave. C'est pas grave, moi, plus tard, imaginons en 2019-2020, je dirais que Konshiba, bah, il a joué un peu comme Necro. C'est pas grave. Regarde, je l'apprécie encore, Necro. Hein. Y'a pas de problème. Voilà. Mais oui, y'a plein d'emmerdeurs, en plus. Tu m'auras peut-être poignardé dans le dos d'ici là, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que le jeu est bien fait? Normalement, si c'est d'huile bouillante, ça prend feu. Ça veut pas prendre feu. Ouais. Le jeu est peut-être pas si bien fait que ça. J'ai l'impression de rater un truc là. J'ai pas le verre. Oh, caméra. Ma vie, non, tout va bien. Merci de t'en inquiéter. Oh. Non. Merci de t'en inquiéter. Daft, mais tout va bien. Oui, bien sûr.
Merci FHZ pour ton follow. Écoute, bien sûr, je n'aurai plus rien à faire des gens quand je serai riche. Et je dirai, ah les pauvres! Comment on va de l'autre côté? Peut-être repartir dans le... Code s'est fermé. Ouais, j'ai fini Spyro, ouais. Tout est fini, le platine, le tout, tout est fini. On a même eu le droit à la blague. La blague du Ro en fin de jeu. Mais la blague du Ro, hein. Littéralement. C'était... Ah mais je suis con, on aurait pu avancer par là. C'était mais... La descente aux enfers. La trilogie se termine par ça, j'ai été affreusement choqué. Alors, très longtemps. Oui. On a l'ending qu'on mérite, hein. C'est vraiment comme les viewers. Et on sait toujours pas comment on peut sauver les gens. Un jeu pour enfants, fin pour enfants, bien sûr. Par contre, Mostrif, c'est quand que j'aurai tout ça? Parce que, apparemment, tu connais mon futur. C'est quand? J'aimerais bien savoir. Je suis assez curieux. Oh merde! Ah, j'avais pas vu! Ah, il parlait pas de moi! Ah, c'est pour ça! Ah merde, je croyais qu'il parlait de moi! Ah merde! Bon bah alors, j'ai rien. Lis mieux, bah oui, écoute. T'écoutes. J'ai bien compris que je lis pas. Bien entendu. Peut-être j'arriverai à avoir le sang, le 100% là, pour enfin le calice. J'étonnerais, mais. Oh, j'ai 100% de la vie quoi. Ouais, mais souvent, en fait, souvent je lis le milieu. Et puis souvent, en fait, c'est les mots qui sont importants dans la phrase que je zappe. Il y a des mots importants, tu vois, qui font finalement la structure même de cette phrase. Et souvent, je la lis pas. Un vrai politique. Ça a été construit sur un volcan endormi. Mons Van est tout ce qui se sépare d'une douche très chaude. Okay. J'imagine que le truc du roi, je vais m'en servir. Ah bah ça, bien sûr. Salut Atentos. De toute façon, après, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que le 1er décembre, parce que j'ai pas trop lu et parce que finalement je vais en faire qu'à ma tête. Du coup, bien entendu, nous ne pourrons plus parler de Star Citizen sur. Eh bien, sur le Discord, bien entendu. Sir Fortesque, le plus noble de mes courtisans, le plus courageux de mes capitaines. Quel triste moment pour nous rencontrer lorsque le destin de ce royaume repose encore sur toi. Grand Dieu, Fortesque, qu'est-il arrivé à ta mâchoire? C'est un peu Spark en fait, le doubleur. Mon pauvre vieux. Regarde, l'armée des démons des ténèbres de Zarok se cache sous nos pieds à l'intérieur de cette montagne. Et ils se préparent en ce moment même à envahir Gallomère. Pour contrer ces plans, nous devons faire s'écrouler le château sur eux et libérer la lave derrière les portes.
Je peux te conduire au levier des portes, mais tu devras l'actionner seul. Comment les gens comprennent quand ils parlent ? C'est une mission très dangereuse, même pour un Maccabée. J'imagine que lorsque ce monstre verra ce que tu as fait, il s'emploiera à te faire passer l'éternité dans le tourment le plus atroce. Mais je sais que ces choses ne veulent pas dire grand-chose pour un homme de ta trempe. Hein, Fortesque ? Superbe ! Bonne chance, mon ami ! Parce qu'ils écoutent... Oh là ! Comment ça ? Et puis là, bah tu voles ! La lave a été libérée, Sir Dan. Le château s'effondre. Il te reste ah bah, très Romain, peu de temps écoute. Pour vaincre les golems de pierre et échapper à l'enfer qui va se déchaîner ici. Pff, tu sais, Romain... Voilà, quoi. Tu es console mania, j'ai compris, ça. Est-ce qu'il faut les pousser ? Je pense qu'il faut les pousser, mais... Non, c'est quand même bizarre. Ah si, il faut les pousser. Putain, c'est violent. Allez. Viens. Là, je pense que tu te rends pas compte ce que t'as fait. Encore. Tu t'en rendras compte. À un moment. Le moment où je devrais rechanger les règles de console mania. Alors attends, il y a un truc là. Oh, ça fout pas trop la pression là le truc. Ça fout pas trop la pression. Fermé. Et tic toc toc. Qu'est-ce qu'il dit lui? Le château va s'écrouler, les vannes sont verrouillées. Trouve un autre moyen. Ah mais oui, j'ai compris. Ah ah là là. Je devrais te remercier. Bah oui, c'est vrai que tu... Merci. Merci. Merci, Romain. Merci. Merci. Merci, Romain. 200 de cuit. Quel génie. Ok, donc maintenant il y a un vaisseau fantôme. Bah attends, pourquoi il crie maintenant? Normalement il faisait des bruits bizarres et maintenant il crie comme s'il avait une mâchoire et tout. Là, il parlait normalement. Là. Pardon. Ah non, mais la seule commande
Bah attends, tu sais quoi, je vais faire une commande pour... je vais te faire une commande. T'as raison. T'as raison. Non, je sais pas si on peut la faire. Je pense pas que ça marche, mais c'est vrai qu'il faut te faire une commande. Alors. Ok. Voilà. Capitaine, j'ai pensé que vous devriez être informé de la présence d'un passager clandestin à bord. J'ai dit aux hommes de fouiller les ponts à sa recherche. Bien. Ah, ça marche pas. Cet ignoble chien pendre à la vergue. Merde. Est-ce vraiment nécessaire? Ne pourrions-nous pas nous contenter de lui sonner ah, merde. De le balancer dans le prochain port? Chut. Quoi? Il n'y a pas un seul de ces soi-disant hommes nul. Qui ne ferait pas passer sa grand-mère par-dessous la quille pour nul. L'argent dans ses cheveux? Personne ne va lui remonter les bretelles? Amenez-moi ce marin d'eau douce que je lui taille un nouveau pont. Ça marche plus, ça marche plus, je l'ai enlevé. Donc... on arrive. Ah, il est pas content. Pas bien. Ah, tu peux pas les tuer? Ah, mais y a pas de. Y a pas de. Y a pas de. Voilà. Y a pas de calas. Bah, s'il y a pas de calas, je cours. Bah, bien tenté, je sais. Bah, de toute façon, tu savais que j'allais faire ça. C'était 100% que j'allais faire ça. Ah si, c'est que les bleus. Ok. D'accord. Bon bah en fait faut pas rusher. Alors si. Bon en fait je m'en sers pas tant que ça du shield. Ça je m'en sers mais pas tant que ça non plus. Pour l'instant il n'y a pas eu de boss en fait. Donc tant qu'il n'y a pas eu de boss, je pense que les calices suivants ils te donnent plus de nouvelles armes en fait. Je pense avoir eu les nouvelles, les armes, la max d'armes disponibles peut-être. Ou peut-être il y a une arme de ouf. Qu'on te donne peut-être vers la fin. Mais Duvalounet va sûrement me spoiler. Merci Alan pour le follow. Oh là là, ça va être bien ça! Oh là là, mais c'est bien! Ah, heureusement que c'est pas un jeu de merde. Ça aurait pu être un jeu de merde. Mais. Ah, mais en fait, c'est nul! En fait. Oh, c'est même pas un piège. Grâce à porte-moi, ouais. Salut Snap. Il y a un compteur pour savoir combien de personnes demandent le Théo de Romain. Ouais, c'est vrai, on pourrait faire ça. Hein. Mais de toute façon, non, je vous propose de ne rien faire contre Romain avant que je joue au jeu. Et quand, eh bien, je serai dans la tourmente, quand je serai dans ce moment, enfin dans ces moments où on sera, où certains vont limite pleurer, finalement le, ils vont me demander de rejouer à Man Overboard. Peut-être qu'à ce moment-là, on mettra en place le compteur de Théo, tout ça, bien sûr. Ok.
C'est vrai que si ça se passe, comme j'ai dit hier, hein, si ça se passe, ça sera gratuit. Si ça se trouve, si ça se passe. Si ça se trouve, ça sera gratuit. Si ça se trouve, ça sera pas gratuit. On sait pas. Faut attendre. Faut attendre. Mais bon. On a pu avoir un bon jeu. Voilà. Voilà. Ouais, ça, je pense que c'est la mort. Salut néophyte. Bah ouais, ça fait un bail, comment tu vas? Il est mauvais. Alors bien sûr, hein, tout ça, bien sûr, c'est pour choper le calice. Ah, en fait, c'est... Ah bah c'est comme, c'est comme dans Dark Souls. Faut tuer les mecs qui contrôlent les squelettes. Ah bah c'est comme Dark Souls. Faut que je fasse gaffe alors. Ok. Oh mais les mecs font tellement mal. Putain, y'a peut-être un bleu. Magnifique. Meilleur jeu. Bah oui, je sais, je t'ai spoilé. C'est... Mais t'inquiète pas, t'auras oublié. D'accord. T'inquiète pas, Konshiba. Si je fais ça, c'est pour toi. Ok. C'est pas mal, hein. Franchement, les situations dans le jeu, elles sont super variées. Hein. C'est vraiment un super jeu, quand même. Mais bon, attends, non, faut pas que je dise c'est un super jeu parce qu'il y a du ballonnet. T'es en fatrole. Oh. Oh, on s'en tape, quoi. Paf. Ah bah, Konshiba, il a toujours l'emote, ouais. Dans le milieu, on dit malheureusement. On lui a dit de changer, on lui a dit, Konshiba, fais un effort. C'est bien de faire plaisir à Oniseb. Mais tu sais que même si tu l'enlèves, il t'appréciera toujours autant, hein. Ouais. Mais bon, c'est parce qu'il doit être sincère, je pense. Sacré Oni, ouais. Bah ouais. Sûrement, Mostrif. Bah finalement, heureusement que tu me l'as pas donné. On aurait pu passer à côté. Il y avait un mur, non? Putain, j'ai même pas vu. Il y avait un truc à droite, mais à gauche, je voulais y aller. Non. Mostrif, écoute. T'es quand même un des rares qui a eu le droit d'avoir le jeu qui m'a proposé, qui m'a demandé, qui m'a, entre guillemets, demandé... Oh, qui m'a, entre guillemets, demandé de faire, que j'ai essayé. T'es quand même... C'est quand même fou. Et t'arrives à te plaindre. Il y a des gens qui m'ont, qui parfois m'envoient des tweets en mode ouais sapin, sapin tu devrais faire ce jeu là, il a l'air d'être cool ou machin de ça. Et je dis ouais ok bah je regarderai. Souvent je regarde quand même, parce que bah la personne me l'a pas envoyé pour me faire chier. Et souvent je me dis ouais, je sais pas, on verra peut-être un jour. Et là. En plus d'avoir joué à Snatcher, alors qu'en plus que Snatcher... je devrais jouer à Tinertia, ah ouais. En plus que Snatcher, finalement, c'était un jeu qui était même pas dans la liste.
Pour toi, je l'ai ajouté pour toi. En plus, j'ai joué à la grande story. En plus. Des bisous à Romain. Merci d'être passé. En plus, je te laisse parler de Star Citizen alors que tu te rends compte. Je pense que t'as remarqué. Les gens aimeraient parfois que t'en parles moins. Mais je me dis, bon, écoutez, c'est pas grave, ça va. Même si tout le monde s'en fout, même si la plupart, ils y joueront jamais. Oh, tu vois, voilà. Oh. Et en plus, j'ai essayé de... Enfin, j'ai créé un chan. Et en fait, tu penses que je suis contre toi. Alors que finalement, depuis toutes ces années, il y a quand même peu d'arguments qui vont dans ton sens. Oh, mais on voit rien. Donc voilà. Mais bon. Alors attention. Pareil, si jouer à un jeu, c'est aller jusqu'à la fin, cette histoire commence à être longue. On n'est pas dans la merde. Allez, parfait. On est d'accord ? Mais attends. Oui, mais je peux y aller, il y a un trou. Alors pourquoi je suis tombé? Mais... Ok. C'est pour ça en fait que vous avez dit la blague. Jouer, c'est platiner un jeu finalement. Remonter, on ne sait pas. C'est comme oula Litz, oula oula Litz, s'il te plaît. S'il vous plaît, mon cher Litz. Ouais, j'ai fini Street of Rage hier avec Nimelio. Combat au secours. Ah, tu peux maintenant aller chercher le Kalès. Eh ben, je vais dès à présent... Oula, caméra. Oui, mais... Bien sûr, le JDG, il joue pour... De toute façon, il a jamais marqué nulle part qu'il terminait les jeux au 100%. Même souvent, il montre des vidéos de mecs qui terminent le jeu. C'est une avant tout une émission de divertissement, n'oubliez pas. Vous savez, vous ne pouvez pas. Soyez pas méchants. De toute façon, les gens ont le droit d'aimer n'importe quel jeu. Star Citizen ou Elite Dangerous ou n'importe quel autre jeu dans l'espace. Uniquement, ils font ce qu'ils veulent. Bon, après, il y a des autres problèmes. Oh.
Alors attends. Donc s'il te plaît le jeu, est-ce que c'est ce que je pense? C'est-à-dire que les mobs vont jamais mourir. Et là il va me donner un... Ouais ok, c'est bien ça. Ça va être l'angoisse. Oh, c'est l'angoisse déjà là. Attends, j'ai l'impression que. Il me voit plus. Comment ça? Attendez! J'avais l'impression d'avoir tout baisé le jeu! Je comprends plus rien. Je suis caché là. Ce jeu est bien fait! Ce boss de merde. On peut aimer No Man's Sky? Voilà, No Man's Sky. T'as le droit d'aimer No Man's Sky? Bah écoutez, regardez. Atomium, il l'aime bien, le jeu. Et en plus, il y a joué. Mais il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout. Vous savez, il y a des gens qui aiment FF15, il y a des gens qui aiment No Man's Sky, il y a des gens qui aiment Bart's Space Mutant, il y a des gens qui aiment... Il y a quoi comme jeu un peu bobof? Il y a des gens qui jouent à Mario Party. Il y a des gens qui... Qu'est-ce qu'ils aiment? Je sais pas. Oui, l'ambiance de No Man's Sky est pas mal. Hein. Je me suis pas tant fait chier que ça les 15 premières heures. Hein. Ça va. Hein. Voilà qui serait une formidable attraction pour touristes. Viens voir. FF9, bien sûr. Ouais. Le tout puissant. Viens voir le dernier des centaures. Oh, regarde ce plouc de Daniel Fortesque, ce prétendu héros. C'est réformé, ma traction pour touriste, tiens, ça vient tout puissant vers le dernier. Oh, mais qu'est-ce qu'il a lui? Primbolos. Il y a des gens qui mangent des courgettes en boîte. Bien sûr. Oh. Daniel, te voilà. Je me suis fait tant de soucis pour toi. Daniel, moi je sais que tu as le cœur d'un héros. Maintenant, il faut le montrer aux autres. Veux-tu essayer mes éclairs? J'en ai pas beaucoup, mais ils sont très puissants. Ouais. Ah bah ouais, ouais. Allez, vas-y. Et garde le menton bien haut. Oh, pardon Daniel. Elle a fait une blague là? Attention à toi. Le sort du bon peuple de Gallomère dépend de toi. Elle vient lui dire... Oh. Ah. Parce qu'on n'est pas dehors, que ça fait pas de... Ouais, ça doit être ça. Il n'y a pas de mâchoire, vous avez compris, garde le menton, il n'a plus de menton. T'es trop drôle, Big Jim. Voilà quoi. Docteur. Big Jim est partout. N'oubliez pas que Big Jim a doublé et a écrit 95% des dialogues de pas mal de jeux et a fait la fin. C'est lui qui est responsable de la fin de Spyro 3. Mais ça reste entre nous. Voilà. Chut, dites rien.
Oui, sérieux. Bien sûr. Je ne mens jamais. Demande à Mostrive, je ne mens jamais. De toute façon, Anaris, est-ce que tu connais un jeu qui vaut... Est-ce qu'un jour tu dirais « Ouais, ce jeu, il vaut bien 60 balles. » Jamais. Jamais. Jamais, jamais. Donc, tu peux pas dire ça. Alors. C'est où qu'il y a un truc pour de la vie? Et c'est pas loin. Parce que... Je sais pas où c'est. Bien sûr que je te fais marcher. Non mais tu peux pas croire ce que je viens de dire. Quand même. Douteur, voyons. Attends, mais y'a rien là. Dead Cell, il vaut clairement 60 balles. Dead Cell, il peut être... Enfin, il est très bon. De là à dire qu'il coûte 60 balles. Bon. Je sais pas. Écoute, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette caméra? Du coup, il me faudrait un niveau où je peux récupérer de la vie facilement. C'est un peu chiant. T'aimes bien être taquin. Mais joue pas avec moi. Voyons. Faites la queue pour lui envoyer un colis piégé, s'il vous plaît. Les pires. Hollow Knight coûte 20 balles alors qu'il en vaut clairement 80. Ah, moi je pense que Hollow Knight il vaut facilement 30-35 balles, voire même 40. Vraiment. Après, 60 euros c'est beaucoup. J'en ai jamais acheté de jeu à 60 balles, donc j'avoue que. Enfin, si, j'en ai acheté un à 60 balles et il s'appelle Street Fighter 5 et. J'ai encore un peu de mal à digérer. Ah, c'était une autre époque. Hein. Donc, peut-être que là, je peux récupérer de la vie facilement. En fait, on peut pas sortir du niveau facilement. En fait. Ah, si je bourre. Si j'essaie de bourrer. Peut-être que... Tu sais plus ce que tu racontes. Bah oui. J'ai jamais dit que Hollow Knight il vaut pas son prix. J'ai dit qu'Hollow Knight il vaut bien. Allez, je veux dire le double de son prix, mais voilà, j'ai rien dit de méchant, non. Donc là, pour mon cher Thanatos, on va farmer un petit peu quand même. Hop. Ah bah finalement on aura même pas besoin de farmer bon longtemps. Pardon. Non mais vous pouvez essayer de me bait hein, avec Céleste, mais vous savez, moi je suis au-dessus de tout ça. Hein. Céleste est tellement au-dessus. Mais vous pouvez essayer. Il y a déjà des gens qui ont essayé. Ils ont même pas eu de problème. Parce que je les ignore. Alors, Toki Switch, non. Astérix XXL, non. Et Monster Boy, j'hésite énormément. En fait, Monster Boy, j'ai très peur de jouer à un jeu de la nostalgie. Et je suis presque sûr que c'est ça, en fait. Donc, du coup, pour pas m'en plaindre. Parce que, j'ai pas envie de me plaindre. Quand même. Je sais pas. Après Toki, je sais pas, ça me donne pas tant envie que ça. Voilà. De quoi, Litz? Pourquoi tu dis ça là comme ça au pif?
Hop. Bah, j'avoue que Bakayep, en fait non, je pense que ça sera pas Taco en termes de déception, parce que Taco c'est même plus une déception. Taco c'est un jeu en fait où je pense que Taco il sera bon dans 10 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, quand on pourra se dire oh les jeux ont peut-être évolué, on se dira ah putain ouais le jeu il était pas mal. Et il faudra se dire que à ce moment-là que Taco il est pas sorti en 2018 mais peut-être en 2008 et encore. Mais après je pense qu'il faut replacer le fait que Taco il a été fait par une seule personne, que le mec bon bah il a une vision du JV qui est sûrement différente de la mienne du coup. J'imagine bien. Merde, je vais choper la truc. Ah, j'ai rien chopé. Et voilà. Ah, le truc, c'est que le mec, il était sympa, donc j'ai pas envie de... Oui, bah oui, j'ai joué à Taco, oui. Enfin, j'ai fait qu'un stream. J'en ai fait qu'un stream, je me suis vraiment pas amusé, donc... Voilà, ben, peut-être c'est moi, finalement je suis trop exigeant. Je vois que ça. Mais en fait, enfin, oui, il est pas mauvais, mais en fait. Ouais, ça se laisse jouer, mais je sais même pas si on peut dire que ça se laisse jouer. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps quand j'ai joué au jeu. C'est-à-dire que la DA, enfin le jeu en lui-même, c'est-à-dire son style graphique et tout ça, il est pas mal, c'est pas mal, mais il me raconte pas grand-chose, il m'a transporté nulle part, quoi. Mais genre vraiment nulle part. Et je sais pas, c'est... Et souvent, je me disais, bon, allez, vas-y, ça va venir, genre une heure, deux heures et demie, je dis, ça va venir, mais ça vient jamais, donc... Je sais pas, ça vient jamais, bon, bah, écoute, c'est peut-être pas mon style de jeu, voilà, c'est tout. Bon, après, de là à dire que je veux que ce jeu se plante, et que le mec, il aille pas dans ce sens-là, non, parce que sinon, du coup, les Kirby... La première fois que j'ai joué à Kirby, c'était sur Game Boy. Oui, hein, c'était sur Game Boy, je crois. Bon, en tout cas, la première fois que j'ai joué à un jeu Kirby, ça me rappelle en fait de ça. J'ai joué au jeu, j'ai terminé le jeu, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est vraiment, genre, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, c'est... J'ai pas kiffé. Alors les musiques étaient sympas. Mais j'ai pas kiffé. Du coup, je me suis dit, bah c'est pas pour moi. Voilà. Quoi, je définis 4 quests et Blossom Tales, alors que Taco s'est tombé des mains. Bah d'ailleurs, bah tiens, Bakayev, c'est exact... Tu fais bien de parler de 4 quests. 4 quests, c'est l'exemple parfait, pareil, du jeu où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Genre Célia l'a acheté, elle a beaucoup joué, et du coup j'ai joué avec sa console. Et en fait, bah ouais, pareil. Genre j'ai joué une heure et demie, deux heures. Et après je me fais chier. Donc du coup, bah j'arrête. Donc c'est tout. Après Kirby, j'ai joué que à... Non, Kirby, le Kirby que j'ai beaucoup aimé... c'est le Kirby sur 3DS, pas le tout dernier, mais Triple Deluxe, non, Deluxe, non, c'est pas un truc comme ça. Je crois que c'est Triple Deluxe que j'avais bien aimé, mais je sais même pas si ça s'appelle comme ça en fait.
Ah, il faut que je regarde. Ça me... Oui, c'est Kirby, c'est Kirby Triple Deluxe. Et bah ce jeu-là, j'avais vraiment kiffé. Parce que il est long, t'avais des trucs à chercher, mais c'était pas si long que ça. Enfin, c'était pas si caché que ça. Mais je sais pas, j'ai bien aimé. Le Kirby Wii U, c'était une honte. Le Kirby Wii U, là, avec le stylet, c'était une putain de honte. Ça, tu vois, c'est même pas une question de bon, mauvais jeu, ou quoi que ce soit, c'était juste nul. C'était juste nul. C'est juste un nul. Mais je dis pas que j'aime pas les jeux Kirby. Hein. C'est juste que, bon, bah, c'est parfois chiant quand une cobane le dit. Kirby, j'avais fait, c'est pas mon truc et je peux comprendre que ça plaise. Alors, t'as quoi ? Ouais, bah, Backyap, on est un peu pareil sur. Voilà. Ah ouais, je trouve que c'est une honte, elle s'entasse ça. Parce que j'ai fait la soluce du jeu, j'ai 100% le jeu, et en fait, ben, ça va super vite, il y a aucun challenge. La DA, en fait, c'est quelque chose qui existait, enfin, comment dire, le style graphique existait déjà, ils ont repompé un peu certains assets. L'histoire, bon, bah, c'est du Kirby, quoi. Et voilà quoi, tu vois. C'est Master Chief. Bah oui, apparemment, oui. Mais en fait, il faut pas obligatoirement du challenge. Il y a des jeux où il n'y a pas trop de challenge qui me plaisent. Alors là, j'ai pas d'exemple, mais. Un jeu sans trop de challenge qui m'a bien plu. Alors, j'en suis sûr qu'il y en a. Bah ouais, Spyro 1 finalement, c'était bien, c'était sympa. Mais il y en a d'autres, je pense que c'est juste que j'ai oublié. Je suis pas si binaire que les gens pensent, hein. Enfin, que... Ouais, je suis pas si binaire que ça, hein. Alors, c'est bon, ils sont encore servis des villes, etc. Ils sont sous la protection de... Bah là, Medieval, je trouve pas que c'est un jeu avec un challenge énorme en mode au secours. Et pourtant, je trouve que le jeu est vachement cool. Parce qu'il te... Je sais pas, il est vachement cool. Sir Daniel Fortesque, tu es là intrépide comme à l'entrée du château de Zarok. Qui l'eût dit ? Pas nous, c'est certain. Nous craignons que le maître des lieux ne tente en ce moment de plonger ses terres dans la nuit éternelle. Mais entre donc, et fais comme chez toi. Je vais casser la gueule à Zarok, moi. Ah, attends, il faut tester. J'ai envie de tester ça. En fait, je pense que dès qu'il y a des ennemis et qu'il lève son poing, il doit sûrement connecter les ennemis. Faut parler néophyte, mais il doit y avoir une double discussion. N'est pas binaire dans quel sens? Bah dans le sens, tu vois, genre si c'est pas un jeu à challenge, je vais pas aimer. Si c'est un jeu à challenge, je vais aimer. Et c'est vrai que les jeux auxquels j'ai joué et que j'ai beaucoup aimé... Ok, bah c'est ça. Bah c'est des jeux avec du challenge. Genre, bah quand je parle de Céleste, ce qui m'a le plus plu dans Céleste... Une des choses qui m'a plu dans Céleste, c'est quand même que le level design et un challenge assez élevé, bah, c'était stylé, quoi. Bon, après, dans Céleste, il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé aussi, hein, mais... genre les phases B, parfois, elles sont vraiment très longues. En fait, il y a une courbe de difficulté dans Céleste, parfois, qui est un peu en dents de scie. Tu sais pas ce que tu te prends dans la face, quoi. Mais il y a ça. Crash, je sais que j'avais beaucoup aimé parce que j'en ai chié. Et je ressens de la satisfaction d'en chier sur quelque chose, quoi. Mais bon, ça c'est parce que c'est l'habitude. C'est console mania, finalement. Console mania. Donc c'est pour ça que je dis que je suis pas binaire dans ce sens-là. Parce que les gens, généralement, ils disent « Ah bah, si le jeu, il me donne aucun challenge... Enfin, si le jeu, c'est Kirby, je vais pas aimer automatiquement. » Dans ce sens-là. Tu termines à table super hard, t'en as encore plus hard, ouais. Oh, salaud! Mon épée magique! Salaud!
Alors, l'île de sortilège, ressusciter les morts, dormir une ville, conseil de beauté pour plus qu'à sens, on pourrait inventer avec un démon tour de carte. Ok. D'où le fait que tu voulais refaire le boss final de Street of Rage, bien sûr. Bah en fait, Street of Rage, j'aurais bien aimé qu'on le finisse avec Nîmes, mais bon, la façon ça, les désynchros, le fait que vous voyez le jeu à 30 images secondes alors que nous, on le voyait fluide, enfin, bref. Je prends au feu, ma colère, nos récents, ma souffrance, mon angoisse, ils vont payer, t'as prétend... Attends, mais c'est Zarok qui dit ça? Ouais, journal intime de Zarok. On peut faire tant qu'ils sont, on peut compter après avoir contré mon plan de conquête de Calomer et s'attribuer à titre posthume la responsabilité de ma mort. Quand j'aurai mis la main dessus, je lui collerai mes médiévilles à son derrière osseux. Et c'est quoi déjà mes... Oui, bref, c'est faux. J'ai oublié. Mais à un moment, je le savais. J'ai jamais aimé de toute façon, toujours à fureter à la course, mêlant de tout, où elle est voyant, Zarok ou... Oui, bon, de toute façon, ça c'est l'histoire du début, comme quoi Zarok, il était dans la cour, tadadi, dadada. Mais ouais, bah Konshiba, je suis d'accord avec toi. Mais c'est depuis que tu l'avais fait, Konshiba Céleste, que je me suis dit, ouais, il s'abuse. Parce que je me rappelle la phase B de l'hôtel. J'avais envie que ça s'arrête. Je me rappelle très bien du moment où quand c'était super dur, j'étais en mode « Non, faut que ça s'arrête, j'en ai marre. » Mais tu sais, c'est comme si le jeu me tapait, il me donnait des coups et j'étais en mode « Arrête, arrête, c'est trop là, arrête !» Et... Céleste. Moi, je parlais de Céleste. Attends, 94%, ça veut bien dire qu'il y a un autre mob que j'ai raté, non? C'est Entrecôte! Bonsoir! Attends, je cherche un ennemi, là. Ah, mais on pouvait bouger! Oh, le jeu vidéo! Bon, tu vas me dire, ça sert à rien, peut-être, mais... Oh, le jeu vidéo! Pas encore fini, je trouve même plus dur que Super Meat Boy. Bah oui, je trouve plus dur que Super Meat... Enfin, tout dépend. Il y a des choses dans Super Meat Boy qui sont quand même plus dures, je trouve, que... Que Céleste et inversement. Bah, c'est compliqué, quand même. Non, le 106% de Super Meat Boy, il est quand même plus compliqué. Si tu le fais en... Enfin, non, si tu fais un any pourcent... Si tu fais any% Super Meat Boy et any% Céleste, je pense que Céleste est peut-être un... est plus long. Et du coup, peut-être... Et encore, pas tant que ça. Peut-être un petit peu plus difficile. Mais si tu fais juste any%, hein, si tu fais pas le 100%. Mais si tu veux faire le 100% de Super Meat Boy, je suis sûr que le Super Meat Boy est plus difficile. Enfin, 100%, le max, quoi. Et encore, il y a des phases. Pff. Au secours, quoi. Après, ça reste mon opinion, bien entendu. Ouais, Daf un peu, moi aussi, chez Candy's Knife finalement, ça m'a un peu déçu. Mais bon, après, c'était peut-être pas le bon moment à l'époque. Oh, mais il était super court le niveau! Je me rappelle, je crois qu'à l'époque où je jouais à Candy's Knife, j'étais pas trop dans l'ambiance. Moi, je me rappelle de. Enfin, oui, bon. Pff. Du coup, le jeu m'a pas tant plu que ça, et puis même. Le background du jeu, tout ça, ça m'a pas... Je sais pas. Les jeux, entre guillemets, sales. Enfin, sales. C'est pas sale, mais bon, on se comprend. Un peu poisseux. Ça me... Je sais pas. Disons que... Ça me donne pas le... Ça me donne pas le sourire, quoi. J'ai l'impression de cocher des cages, ça me fait... Ah, j'avoue, bah, Kayep,
Baba Kayet, c'est drôle, mais dans ce que tu dis, finalement, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris Célia, ce qui lui a donné envie de rejouer à des jeux, c'est-à-dire plus souvent, bah, c'est finalement Breath of the Wild. Hein. Parce que avant Breath of the Wild, faire jouer Célia à un jeu vidéo, c'était super dur. Mais quand elle a eu sa console et elle a joué à Breath of the Wild, après, je sais pas, elle a joué à plein d'autres jeux. Elle a testé plein de petits jeux. Et alors, ça te l'a peut-être pas donné en... Enfin, ça lui a peut-être pas changé la vision du truc, mais parce qu'elle a kiffé un max le jeu, et bon, tant mieux pour elle, hein, elle a joué à d'autres jeux. C'est cool. C'est cool. Donc, bon, c'est pas la même chose que toi, mais je sais que... Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Ah bah, Master Chief, moi j'ai jamais eu, donc du coup, elle a pris du fun pendant là. Et bah, Daft, tu fais bien. Voilà. Merci pour nous. Merci pour nous. Alors. Ça reste entre nous. Hier, Célia. Elle était genre, limite, il fallait appeler SOS médecin, mais genre limite, tu vois. Elle était en mode, ouais, c'est la fin du monde, je vais mourir, enfin bref, voilà. Elle a dormi, mais elle a bien dormi quand même, hein. Je pense qu'elle était très fatiguée. Et merci River pour le follow. Et ce matin, j'ai l'impression qu'elle avait pris, elle s'était pris un tube complet de vitamines, et là, elle est en mode, hop hop hop, tout va bien, j'ai plus mal à la gorge et tout. Non mais attends, Nimélia. Sur ma tête, quand je suis retourné la voir après qu'on ait joué à Ring of Elysium, il était, je sais pas, minuit moins. Il était minuit, non, peut-être un peu plus. Il était minuit 30, je crois. Minuit 30, minuit 40, bref. Je suis allé la voir et je lui ai dit, ouais, ça va et tout. Et elle était dans le lit, elle était couchée, tout était éteint. Et je vous promets, elle a fait, oui, ça va, ouais. Et moi, j'ai fait, t'es sûr? J'étais sûr, c'est... Tu là, t'es quand même fait, non, c'est bon, je vais dormir. Bon, après, l'histoire ne dit pas que j'ai joué un peu à Pokémon et elle m'a regardé et après, ça allait un peu mieux. Donc, je me suis dit, non, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Mais je te promets que j'arrive pas à savoir, en fait, avec elle si je dois appeler un médecin ou pas. Moi, ça me fait flipper, hein, parce que un jour, le jour où vraiment il y a un problème, bah, je sais pas comment réagir, en fait. Laisse-moi crever. Alors, Daniel, j'ai peut-être quelque chose pour toi, mais je ne sais pas ce que c'est. Tel un phénix ironette, c'est l'ensemble, ouais. Oh, c'est trop bien! Bah, c'est cool. Mais... Bah franchement, autant je pensais être quand même quelqu'un de bien salé, atteint quand je suis malade. Je suis pas souvent malade, enfin beaucoup. Et déjà, quand je suis un peu malade, bah tu sais, comme pas mal de monde, j'ai pas envie d'être malade. Donc quand je suis malade, ça m'énerve d'être malade et en plus du coup, ça me fait chier de rien faire. Et puis en plus dans ces moments-là quand t'es malade et quand tu dois dormir et que je sais pas moi t'as mal au bide, mal à la gorge, mal à la tête ou bref t'as un truc qui t'emmerde, bah t'as du mal à dormir quoi. Alors déjà je pensais que j'étais chiant, mais c'est bon, Célia c'est un autre level en fait. Ça me rassure finalement. Vous savez finalement quand il y a pire que vous, vous vous dites moi oh, c'est bon c'est pas si mal. Oui, personne n'aime être malade, bien entendu. Ah là là. Vous avez tous pensé un jour ce que je viens de dire. Voilà. Sauf que moi, bah, je le dis, je me dis, bon, bah, c'est pas glorieux, mais c'est pour devenir un homme meilleur. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti celle-ci. Mais oui, Célia va mieux. Je suis content parce que comme ça, on n'a pas dû aller chez le médecin. Mais je m'attendais vraiment à bah aller chez le médecin et tout quoi. Donc je suis content. Elle va mieux. Merci d'avoir demandé. Mais non, je streamais pas à minuit, je joue hors stream. Rarement, mais
Genre, ça m'arrive. Je me demande vraiment s'ils vont refaire toutes les cinématiques. Ah, un homme meilleur. Ah oui, clairement, je suis sûr d'être un homme meilleur par rapport à 2015, bien sûr. À 2015, vous savez, c'était compliqué. Hein. Ok. Et j'ai pas payé 23 euros. Enfin, c'est elle qui a pas payé 23 euros. Je vous rappelle que hier, quand elle est rentrée, elle était en PLS. Et quand elle a dit on va appeler SOS médecin, vous étiez là. Hein. Elle a dit j'ai pas d'argent pour le médecin. Moi, je m'en fous, hein. Je fais un prêt. Je fais un prêt, hein, s'il faut. Mais de toute façon, j'avais du pognon. J'aurais pu lui donner du pognon. Alors. Donc là. Quand on est dans le temps. Moi, je voulais qu'elle appelle SOS médecin. Elle était en PLS. Mais elle me disait qu'elle avait pas de pognon. Grâce à la magie noire qu'il appelle science, Zarok a mis au point un procédé basé sur la mesure mécanique du temps. Mmh. Les entrailles de ce chronographe sont d'une complexité diabolique. Surveille les pendules volantes et prépare-toi à régler les aiguilles de la grande horloge. Mmh. Quelqu'un va appeler ce médecin. Encore un truc de lyonnais. Bah quoi? Ah, tu veux faire comment? Tu veux que je dise à Célia, va dans la voiture, je t'amène aux urgences? Je vais pas lui dire, allez Célia, monte sur le vélo, on va aux urgences. Divisionneufite. Mais oui, je suis un joueur moins bon que ce que le joueur de 2015, ça c'est sûr. Je suis sûr d'être moins bon que le joueur de 2015. S'est suicidé. Ok, le mec s'est suicidé. Non. Ouais, en taxi ou en Uber, à la limite. Un médecin de garde, ouais, c'est pas mal. Ouais, bah ils font le tiers payant et tout, c'est pour ça. Bah la fois où j'ai fait venir le médecin de garde, bref, un médecin en urgence à la maison. Il m'a dit qu'il y a une histoire de mettre les aiguilles à la bonne place. Peut-être que c'est ça qu'il parlait. Et que, enfin pour mes dents, et qu'il est venu et que j'ai pas payé cher, ben c'était bien. Ça qui m'intéresse à la science, c'est pas. T'as pas des cours sur les polymères qui me restent sous le coude? Alors si, j'ai des cours sur les polymères qui me restent sous le coude, enfin, chez mes parents, mais c'est. Enfin, oui, j'en ai même beaucoup, mais. Mais. Enfin. C'est pourquoi exactement? Parce que ça se trouve ils sont pas. Ils vont pas très loin finalement. Parce que je faisais pas de science des matériaux, les polymères, on a fait juste bah. Ouais, non, si, ouais. Si je peux t'en passer, ouais. Sans polymérdique. Ah non, mais s'il te plaît. Putain, Big Jim, on me l'avait jamais faite, hein. Pourtant, on aurait pu, hein. Oui, du coup, Thanatos, j'ai bien compris que chez toi, ça n'existe pas, ouais. D'où le « c'est un truc de lyonnais », bien sûr. Tu sais, on se comprend quand même, même si on est différent, Thanatos. Alors attends, est-ce que ça arrête toute seule? Non, elle s'arrête toute seule, hein. Parce qu'il disait. Je vais devoir bosser ça pour mes études de ces morts. Oh, c'est trop bien. Attends.
Ah non, la Belgique, tout va bien. Hein. Ça va, quand c'est pas de Plucky, moi, la Belgique, ça me va. Hein. J'aime bien. Pardon. Ah non, on peut bouger. Bien sûr, c'est une blague. Rigolez. Par contre, il est bizarre ce niveau. D'accord, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il faut faire. Mais est-ce que je peux faire bouger cette... Ah mais oui, je suis con. Alors attends, peut-être que c'était ça et l'autre elle était à moins le quart. Ou à moins quart, comme on dit chez nous. Ouais, c'est bon. Sauf que, bah... Bah chez nous on dit moins quart. Enfin, chez nous. Je sais pas si c'est un truc de lyonnais, mais... Mais un jour, on m'a dit, ouais, vous, les lyonnais, vous dites moins quart. Alors que c'est moins le quart. Bon, j'avais jamais remarqué, du coup, bah... Je dis, bah, oui. Je sais pas. C'était la... C'est la première... Bah, de toute façon, c'est drôle. Quand j'ai changé de ville, finalement, pour mes études, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à me dire « Ouais, toi, ça le lyonnais !» Je fais « Ah ouais, d'accord, ok. » Je pensais pas qu'on nous détestait à ce point. Hop. Dis-moi un quart aussi. Bah voilà. Peut-être que... non, bah je suis... Bah écoute, le seul moment où je suis allé à Saint-Etienne, c'est pour... mince, un truc de design industriel. Il y a quelque chose de bien là-bas. Pas la ville, mais il y a un truc de bien. Bah de toute façon, tous les... Enfin, les seuls Stéphanois que j'ai rencontrés, ils m'ont dit que... ils étaient pas très contents de leur ville, quoi. Bah après, c'est pas ouf, hein. Autant je trouve qu'il y a des coins à Lyon qui sont pas ouf, autant je trouve qu'à Saint-Etienne, il y a beaucoup de coins pas ouf. Donc bon. Mais bon, comme c'est un Stéphanois qui m'a dit ça, je me suis dit, bon bah j'ai le droit. C'est que ça doit être vrai, tu vois. Oh, il est bizarre ce niveau, il est vraiment étrange. Bah viens là toi. Oula. Moins le quart ou moins la chocolatine. Ah vous savez, même ça fait... Enfin, 4 ans. Même attends. Ça fait presque 5 ans. Non, 4 ans. Ouais, ça fait... Allez, on va dire, on est sur la 5e année de la... Par rapport au fait que, enfin, cinquième année que Célia vit à Lyon, et elle dit toujours poche et chocolatine. Oh, d'accord. Et on peut rien y faire. Hein. D'accord, donc là, c'est pour choper le... Ouais, ouais, poche. Super chaud. Attends, est-ce que le jeu est bien fait? Franchement, si.
Ah mais c'est 100% je meurs. Genre l'ordre DVD d'une poche chouille. Ah techniquement oui. Mais elle dit poche dans quelles circonstances? Un sac. Un sac c'est poche ouais. Ouais, la musique, elle est, ça fait très ambiance, petite ambiance là. Ah non, mais c'est mort en fait, tu peux pas le faire. Il faut un peu plus de temps. Clairement, il faut un peu plus de temps. Ou alors peut-être faut. On verra. Bah c'est même pas une question de chocolatine en fait, moi ça me dérange pas que Célia elle dise chocolatine, je m'en fous. En vrai, voilà, mais en fait moi ce qui peut être plus dérangeant c'est quand elle va dans une boulangerie à Lyon qu'elle demande une chocolatine. Et qu'après qu'elle s'offusque que les gens la regardent comme si c'était une étrangère. Bah oui, tu peux comprendre que comme on dit pas ça, sois pas choqué. Mais bon, elle a compris avec le temps je pense. C'est vrai que... un peu étrange. Oh non. Putain, je suis nul. Oh, je suis nul x2. Et si tu tues les... Bah, je sais pas comment on tue les petites horloges vivantes. Mais je crois qu'on les tue pas. C'est comme lui, là. On le tue pas, lui. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On dit poche pour un sac de course, pas un sac à dos. Bah oui, oui. Oh! Mais qu'est-ce que vous avez? Ils ont jamais attaqué comme ça! Mais enfin, voilà. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème avec Célia, c'est juste que... Je vous partage. Partage des choses un peu bizarres. Mais bon. Merci. Merci Yamura et merci beaucoup pour ton 8e mois de sub, merci pour ton prime, plein de bisous à toi, plein de pompons, ça fait plaisir. Et plein de bisous. Ne partage pas ces liens. J'ai jamais dit que je ferais ça. Voyons, Mostrif, tu vois. Finalement, Mostrif, ça se voit, tu lis à moitié ou dans... Non, tu écoutes à moitié ce que je dis. Je pense. Ne lis pas en diagonale ou n'écoute pas en diagonale. C'est difficile d'écouter en diagonale, par contre. Son genre, et des bisous encore, Jamura. Merci beaucoup. Brick, le chariot magique de Zarok nommé Train. Ah oui. Les voies qu'il emprunte mènent tout droit au repère de Zarok, mais la route est bloquée par des portes commandées depuis ces petites gares. Sers-toi du train pour te rendre à ces divers points. Ouvre les portes et pénètre dans le repère. Ah. Ah ben. Ouais, bon, allez. Donc là, je l'ai pas. C'est normal. Là, c'est la fin. Là, je l'ai pas non plus. Non, mais écoute, tu sais... T'es ma stress, c'est pas grave, hein, écoute... Alors, attends, là, c'est bloqué. Tourne. Sauf que comme rien n'est ouvert à part la fin, enfin la fin semble être ouverte. Ça fait quoi si je fais là? Non, ça part. Ouais, je le trouve aussi. Il est un peu énervé, je pense.
D'ailleurs, est-ce que Griffins, il est là? Griffins, j'ai un truc pour toi. Si, il est là. Oh, j'ai regardé le chat. Ah, tu es là. Tu as encore raté le stream de Shishayu aujourd'hui? Déçu. Très déçu. Parce que du coup, je t'attendais. Alors attends, par contre, ce que je comprends pas. Non, coucou Spicebook. Voyons, coucou. Laissez. Les meilleures blagues sont les plus courtes. En fait, ok, c'est pas ouvert. Donc en fait, le truc, c'est que. On peut pas finir. Donc il faut retourner en arrière. J'ai regardé que le premier. Bah, c'est bien dommage! Il est mauvais. Oh, il est super mauvais. Ah, c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave, c'est juste que j'aime bien être monsieur taquin, voilà, exactement. Non mais franchement, ça, comment on fait? Ça c'est pareil, c'est quoi ce machin là? Tout ça pour ça? On est peut-être un de l'autre côté du coup? C'est quoi ça? Non, c'est juste là. Mais c'est ouf, comment on fait? C'est quoi ce qu'il y a en bas? Mais oui, mais je peux pas. Je crois pas que je puisse tirer avec. Parce que, en fait, faut. Techniquement, non. En fait, il faut que ça soit un coup d'épée. Parce que regarde. Je crois que c'est qu'il faut que ça soit un coup d'épée. Et avec la plateforme, ça va jamais. Ça ira jamais plus vite. Ça, si je me mets devant. Tu vois? Ça touche pas. Ça. Ah, que j'ai le feu. J'ai oublié que j'ai le feu. Ça, c'est un sorte de. En fait, faudrait casser ce machin, en fait. Non? Ça se trouve, on peut le casser. Non, je sais pas. Faites alors, bonsoir. Le marteau. Ah oui, le marteau pierre, putain, je suis con. Ah, ça aurait pu être bien fait. Tu vois même ça? Si. Faudrait un truc, faudrait une bombe à retardement, tu sais. Parce que je pense pas que ça soit si mal fait. Oh.
Au taper et passer en 3 secondes. Ouais, mais c'est bizarre quand même que ça soit ça. Attends, est-ce que... Est-ce que... Attends, j'ai peut-être un truc là. Attends. Ah, peut-être avec ça. Attends, peut-être avec ça, peut-être avec ça. Peut-être avec la avec le rush de mon bouclier, peut-être qu'il y a moyen. Si c'est ça, mais fouah, c'est chaud quand même. Hein. Ah! Caméra en plus qui fasse n'importe quoi. What? Attends, mais les 3 secondes sont passées en moins de 3 secondes? Attends, non, attends, tu te fous de ma gueule. Là, c'était pas 3 secondes, hein. Ok. Le jeu est fait pour que tu baisses pas le jeu. Non, mais ça se voit, regardez, ça se voit, regardez. 3, 2, 1, c'est fini. Ouais, bon, en fait, d'accord, bon, c'est pas ça. Donc, si ça se trouve, en fait, en 3 secondes, si ça se trouve en 3 secondes, il faut péter le ça là. C'est une anti-contrebaise. C'est propre. Peut-être on peut taper dessus. Ah! 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 C'était trop pas, c'était vraiment pas trop con. Ah! Ah. Tu sais, c'est dans ces moments-là où je me dis que je sais que je me complique la vie pour rien. Parce que même Coco, tu vois, Coco, elle aurait directement compris. Coco, elle aurait tapé, tu vois. Elle aurait tapé direct, elle aurait vu, c'est trop facile. C'est trop facile. Trop complexe. C'est quelqu'un qui l'a dit. Okay. Attends, mais c'est déjà dans le bon sens. C'était comme ça, hein. Je crois que c'était comme ça, non? Comment? C'est comme ça, je crois. Ouais, c'est comme ça. Pareil, ça peut pas... Ah! Ah! Voilà. Sauf que je peux pas le choper pour l'instant. Parce que je suis à 60%. Il y a un truc recassé avec l'âge de verre, il faut un choc électrique, ça donne un temps, ça fait loin. Bah voilà, finalement. J'avais raison, tu es le meilleur. Ça va, tu es le meilleur. Ah mais attends, regardez, c'est trop con. Bah oui, c'est un tuyau qui... Oh, un tuyau, ça amène... Putain, c'est comme Mario. C'est fou. J'adore Mario. Hop, ce jeu est génial. Ce jeu est génial finalement. Tout le monde devrait jouer à ce jeu. D'ailleurs, si vous n'y jouez pas, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que vous attendez?
Bah, le remake, oui, mais... Franchement, il n'y a pas de date. Il n'y a quand même pas de date. Hein. Moi, j'ai envie de te dire, quand il n'y a pas de date... C'est que c'est sûr que ça sera pas le début de l'année, quoi. Et ça sera pas le 22 février non plus. Donc, vu que tous les jeux sortent le 22 février 2019, bien sûr. Je sais pas pourquoi, mais... Oh! Oh! Attends, ça veut dire que c'est un petit train de la mine? Et on va s'amuser? Alors, on a failli s'amuser. Sauf qu'on a eu un sort de fun console mania, là. Ça a été assez... C'était assez violent. Ouais, bon bah ça sert à rien, ça j'ai tout ce qu'il faut. On peut retourner en arrière ou pas? Ah, bon. Ok, c'est vraiment du fun console mania. Ouais. Je n'y joue pas parce que j'aime la modernité. Mais tu joues à quoi, José Lito? Et du coup, tu peux m'expliquer? Oh. Allez, je suis prêt. Je suis pressé d'avoir un petit 95% là. 96. Oh, c'est génial. Géant. Bah du coup, José Lito, je suis intéressé. À quoi tu joues Qu'est-ce que... Voilà quoi. Pardon. Pour le spoil, t'as pas intervenu... Quoi? Ah ouais, c'est vrai. C'est différent, je ne suis pas un humain. N'oubliez pas, je suis un sapin. Donc ça... Voilà. Ok. Pouvez-vous vous arrêter s'il vous plaît? Merci. Je veux dire, est-ce qu'un prochain Nintendo Direct? Ah mais non, mais c'est mort. C'est mort, Coco, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est mort. Je suis triste, j'ai pas envie d'en parler. Ah, c'est mort. Merci. Merci, Skoizer. Merci beaucoup pour tes 100 bits. Plein de pompons pour toi, merci. C'est très gentil. T'as pas compris? Bah, c'est parce que... Là, tu attends trop, Coco, je pense. Que tu attends trop d'avoir des informations sur Animal Crossing. Et je pense que, vu que tu en attends beaucoup trop, le prochain direct, bah tu risques d'être déçu. Et du coup, j'essaie de te faire comprendre que se rapprocher du bouddhisme quand tu joues à la Switch. Demande à Thanatos. Thanatos a souvent un avis très très inspiré concernant la Switch. Alors j'imagine qu'il faut aller avec le train. Voilà. Donc non, pas de date. Bon, de toute façon, s'il y avait une date, Coco, là, Bakayep, il aurait dit
Il aurait dit bam bam paf paf paf, tu vois. Merci. Merci Skyzer, merci beaucoup. Merci énormément pour tes 1000 bits, hein. Oh. Et ouais, attends, plus de pompons, putain. Oh. Oh là là, si vous faites pas plus de pompons, Big Jim va falloir qu'il raconte des blagues. Et après, on va avoir encore des blagues du roux. Oh, le calice ! Non ! Ah bon, bah pas de 100%. Quel dommage ! Quel dommage ! C'est vraiment dommage de pas avoir fait le 100% du jeu. Non ! Oh, quel dommage! Ah, ça! T'as tout fait foirer, putain! Le pognon a tout fait foirer. L'hypénie s'en prend un coup. Bah, de toute façon, 95%. Rap pseudo, je pense que ouais. Je pense que ouais. Nous ne te croyons pas capable de parvenir jusqu'ici. La rencontre finale avec Zarok t'attend à partir de maintenant. Il s'est entouré de ses gardes du corps surnaturels, mais tu peux encore faire pencher la balance en ta faveur en appelant les âmes perdues rassemblées dans ton calice. Place-le sur le bouclier au centre de l'arène. Que la chance soit avec toi, Daniel Fortesque. Attends, tu veux dire que là, c'est un boss plus simple si t'as beaucoup de... si t'as beaucoup d'âmes ? Invoque solaire pour t'aider, bah oui. Ouais, il le fait tout seul. Sœur Fortesque, mon vieil ennemi, on se rencontre à nouveau. Je vois qu'un siècle passé à nourrir les vers n'a rien fait pour calmer ta naïve obsession de libérer Gallomère. On va retaper des randoms. Paré à l'attaque, guerrier. Pas mal, pseudo, pas mal. Je veux voir les chiens gratter la moelle de ses os dans l'heure qui suit. Qu'est-ce que c'est que ça, Fortesque ? Un porte-bonheur ? Tra, y a tous mes poteaux ? Ah, mais attends, mais c'est pas eux ? Attends, mais c'est quoi ces randoms ? C'est quoi, c'est super random là? Qu'est-ce que c'est ça? Mais comment ça? Oh non. Bah ouais, mais à l'aide de quoi? Je peux pas taper. Ah, du coup, là, j'ai pas lu, c'est ça? Ah ah! Plus tellement en position de force, n'est-ce pas, Fortesque? Garde, emmenez-le! Ben non. Non, mais tape! Oh merde! Ah! Oh non. Ça veut dire que pour avoir la vraie fin, faut... pour avoir la vraie fin, faut le 100%? Ah bah non, quand même. Oh, si c'est ça, je vais pas être content.
Non, j'ai pas dû lire. J'ai pas dû lire, ne spoilez pas. S'il vous plaît. Il y a un truc que j'ai pas lu. Non mais c'est pas le cas, c'est pas possible. Si c'est ça, bah ça va être long. Merci Skyzer, merci. N'hésite pas, de toute façon il n'y a pas de calice. Mais tu peux y aller, merci. Non, mais je ne crois pas du Valounet. Je ne crois pas. Je suis sûr que les gens n'ont pas fait le 100% du jeu pour arriver. Je ne l'écoute pas, je n'entends rien. Là, 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 là. Jusqu'ici, la rencontre finale. Oui, oh, tu me fais chier. Hein. Je vais bourrer avec. Parce qu'en plus ils font à l'aide, non mais du Valounet il a essayé de me... Il a essayé d'un... Je vais l'écouter, je l'écoute plus, je l'écoute plus. Il n'existe plus, je n'existe plus. Là là là, je n'écoute pas. Putain, je suis en train de taper les gens avec moi. C'est quoi ce bordel de merde? Non. Non. Ça marchait pas déjà, ça marchait pas déjà. Je vais essayer. Non, mais ça peut pas être un truc que j'ai chopé, c'est pas possible. Tu les tapes en vrai, c'était la bonne arme? Mais non, regarde, je tape mes potes. Ça veut dire qu'il manque un... Il y a un manque de feedback? Non, non, mais c'est pas possible. Je vais pas... Et pas si... Et pas... Et pas mal fait à ce point. Le jeu est pas mal fait. Non mais il y a un truc que j'ai pas écouté. C'est pas possible. Là, imaginons, regardez, je ferme les yeux, vous n'êtes plus là, vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, c'est-à-dire je suis hors stream. Je suis hors stream, voilà, je suis tranquille devant mon PC. Et je me dis, tiens, je me ferais bien un petit Medieval. Et là, je joue à Medieval, là, tu vois, je joue. Et je me dis, et j'arrive là. Et du coup, je cherche à comprendre. Le jeu est pas mal fait. Merci Skyzer, merci pour ces bits hors stream. Parce que oui, j'ai des tics, j'ai des tocs. Je dis merci, j'ai des tocs. Il s'est entouré de ses gardes du corps surnaturels, mais tu peux encore faire pencher la balance en ta faveur. En appelant les âmes perdues rassemblées dans ton calice. Place-le sur le bouclier au centre de l'arène. Que la chance soit avec toi, Daniel Fortesque.
Ouais. Mais en plus, ça peut pas être ça, parce que regarde, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Vous dites n'importe quoi. Je me parle à moi-même. Oui, allez, c'est bon. Parce que là, en plus, le jeu me donne... Tu vois, en plus, il me donne ça. Il me donne pas de la foutre comme... Oh. Je suis hors stream, et là, hors stream, je me dis... Putain ! Oui, parce que j'ai le droit d'être mal élevé quand je suis hors stream. Mais voilà ! En plus, j'ai dit que ça servait à rien, les coffres. Et là, du coup, hors stream, tu vois, je tape slash timeout du Valounet 800 secondes. Mais heureusement, je suis hors stream. Donc ça va. Par contre, faut qu'ils aient... Enfin, je vais mourir à force là. Je peux pas gagner. Bon là, il y a un truc que je dois pas faire. Bon, je suis hors stream encore. Hein. Je pense que j'appuie trop. Ah, ça doit être bon. Voilà. C'est bon. Nous sommes libérés de la tyrannie de Saran. T'es bien cette phase. Voilà. Elle était bien. Voilà, j'imagine que ils vont me redonner de la vie. Voilà, c'est pas des raclures. Bon. Tu as toujours eu de la chance au combat, Fortesque. Montre-nous comment tu te défends contre mon champion. Mais non. Le défunt Lord Cardock. Les individus de ton espèce, ils les croquent comme des cachets de calcium. Des cachets de calcium. Merci, Skyzer, pour ce... Wouh, 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 wouh. Merci. Merci. Oh, il est stylé. Ça. Alors j'imagine. Voilà. Bon, je vais pas être con, hein, parce que. Oh, il... D'accord, il envoie des lasers, quoi, normal. Oh.
Ah bon? Ah bon? Meurs! Salut Alien. Il y a, maintenant c'est mieux. Entre Console Mania et Retro Saga, la Console Mania c'est la Mega Drive, Retro Saga c'est. C'est les autres consoles mais avec des bons jeux. Limited Power, ouais. Enfin, avec des bons jeux. Dans Console Mania, il y a des bons jeux, hein. On s'entend qu'on. Ouais! Oh, je te bourre tellement, mon gars! M'en fous! C'est une légende urbaine. Bye! Faudrait qu'on joue à Phantom 2040, quoi. Je suis désolé. Par contre, j'espère que je dois pas battre l'autre après parce que j'ai plus trop de vie. Ça suffit. J'en ai assez de toi et de ton impertinence. Il y a des bons jeux, il y en a une fois tous les 20. Mais on fait des saisons. C'est pour ça. Où est ce sortilège? Ah oui. C'est compliqué. Non, pas celui-là. Oh! Oh non, pas maintenant. Ah, je le tiens. Pas de blague d'euro, hein. Merde. Ah merde. Personne ne vaincra le puissant Zarok. Quoi? Prépare-toi à mourir, Fortesk. Vraiment? Ah, semblerait que ça n'a pas fonctionné sur lui. Ça ne fonctionne pas. Alors il est bleu. Quelque chose me dit que quand il est bleu... D'accord, d'accord, il... ça ne marche pas. Ouais, d'accord, je peux le soigner si je veux. D'accord, c'est bien. Maintenant, est-ce que je peux gagner? Est-ce qu'il y a un bouton gagner? Oh, c'est, je vais mal le prendre de tout recommencer. Ça a l'air d'être faisable. ça. On fait que cette caméra en plus. Oh mon dieu, cette caméra! Arrête de bouger! Bon, il faut quand même, faut comprendre. Mais s'il te plaît. En fait, il est en bleu. Donc du coup, je pense que ça marchera pas ça. Mais attends, mais je peux pas changer d'arme en fait. En plus, attends, hop, si.
Ah bah oui, ça, l'arbalète, 100%. Attends. Moi j'ai un truc. Non. Oh, j'avais un truc. J'ai un truc qui a duré 2 secondes. Oh, j'ai un truc qui a duré 2 secondes, je vais devoir recommencer le jeu. Non! Enfin, recommencer le... Non! Ah, ah, ah. Ah mais attends, je suis con. Ah oui, c'est vrai que... c'est vrai que le bouclier, c'est de la merde. Oh là là, je vais devoir recommencer. J'ai envie. Oh, qu'est-ce que j'ai envie. Allez. Le plaisir. Ah non. Ah non, hein. Ah non, merci. Ah non, merci. Ah non! Allô, l'émulation? Y'a quelqu'un? Ah. Bon. Semblerait que... il y a eu un petit bug. Pas grave, on va reset, on reboot. Un petit soft reset et c'est bon, tu vois. Un problème. Ça marchera pas, hein. Tu es malade, tu es contagieuse, je ne te toucherai pas. Je suis malade, c'est bon. Si, tu es malade. Ah, regarde, tu peux te plaindre, porte ton pull, tout ça. Ah, tu portes mon pull, là là là, t'as encore pris mes affaires. Ouh là là, qu'est-ce que c'est étonnant. Et alors, est-ce que ça change quelque chose? Oui. C'est moi qui l'ai fait, donc j'ai le droit de le porter. T'es pas malade, hein? Pas mal, pas sale. C'est bon, tout va bien. Tout va bien, si tu pourrais faire le 100%. Bah, allez, dépêchez-vous là, j'ai pas le temps. Merci! Merci Popol, merci beaucoup! Eh bien, de ton sub, merci pour ton 2e mois. Et la petite. Alors, bon, tu m'en voudras pas, hein, mais je te le laisse, hein. Je te le laisse, hein. S'il s'appelle Connard Kappa, ça va être difficile pour lui. Hein. Non, j'ai pas envie de rejouer à un niveau. Je vais aller chercher de la vie. Je vais aller farmer pour... je vais aller farmer pour Thanatos. Bonsoir, Whispel. Oui, père indigne, père indigne. C'est bon, j'ai un chat déjà. Hein. Alors, bon, c'est même pas farmé là. Mais il fait déjà dodo, Thanatos. Il a déjà pris un grog, je sais pas. Alors, tu arrives à la fin. Alors, presque. Mais l'histoire raconte que Célia, il semblerait, doit faire ce soir la vaisselle et commence la vaisselle assez tard. Donc du coup, peut-être que tu vas avoir un peu plus de temps. Tu vas peut-être même avoir la chance de rafler.
Oui, mais tu vas pas gagner. Bah ça, c'est normal. Ça. Et bien sûr, n'oubliez pas que le raffle, il n'y a que les gagnants qui gagnent. Ouais. Bah là, vous avez remarqué, hein, Squeezer a donné quand même pas mal de bits. S'il gagne, vous ne serez pas choqué. Bien sûr, ça ne peut pas. Oui. Bah non, tu sais pas. Si tu gagnes, c'est que t'es un type bien. Oui. Oui, bien sûr. Bien entendu. Ah, par contre, il y a un truc que je trouve choquant. Enfin, choquant. Alors, bon. En laissant de côté la vie du Valounet, parce que je sais comment ça va finir, je trouve ça pas choquant, non, peut-être pas choquant, mais je trouve ça étonnant, plutôt surprenant, même qu'un jeu comme Medieval te demande de récupérer quand même beaucoup de collectables. Et de faire beaucoup de... Alors c'est pas du backtracking dans un niveau. Pour arriver jusqu'à la fin en fait. Parce que mine de rien. Là. Pour sauver tes petits potes là qui se battent. Bah c'est le bordel quand même. C'est le bordel. Et je l'avais un peu comme ça hein. Donc bon. Par contre, je sais pas pourquoi il a bugué. Bah, c'est le schéma de récompense, oui. Mais imagine que toi t'as pas le temps. Tu vois, t'es un cadre dynamique. Enfin non, si t'es cadre, tu joues pas, mais. Si t'as pas le temps. T'as pas le temps. Comment tu fais? Voilà, il est cadre, il joue. Alors, vous savez quoi? Je vais faire quelque chose. Non, je vais pas le faire. Parce que si je le fais... Non, c'est pas bien de faire ça. Je le ferai pas. Sœur Fortesque, mon vieil ennemi, on se... Je le fais pas parce que je vais gagner. Parce que je suis un gagnant, moi. Je suis ni cadre, ni dynamique. Oui, bah, le Santana, c'était pas avec moi. Quand j'ai dit Kirby, c'était une honte, tu m'as dit... Ha! J'ai senti en toi que tu as été contre moi. Bon, allez vite, faut que j'aille chercher le truc là. Ça m'a marqué. J'ai été choqué. J'aurais peut-être dû aller chercher dès le début, non? Ah ouais, j'aurais peut-être dû aller chercher dès le début. Ouais, je suis dans la merde. Ouais. Ouais, ça va.
Très bien. Ça commence à aller mieux. C'est bon. Ouais, je me soigne plus. Je suis contre personne, je ne suis pas dans l'opposition, j'ai dépassé ça. Oui. Oui. Et non, moi je veux juste que tu sois dans mon sens. Afin que. C'est tout. Allez, faites ouf chez vous aussi. C'est le moment du ouf. Cette parole est nôtre. Nous sommes libérés de la tyrannie de Saron. Pour lui, il était gratuit quand même. Mais c'est juste qu'il fallait être plus malin. Et je vais être plus malin, vous savez. J'ai décidé d'être plus malin aujourd'hui. Oh là là, mais c'est violent! Oh, mais c'est hyper violent! Pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début? Pas faire des vieux os. Ah, Whispel. J'en ai assez de toi. Tu es comme Big Jim. On va se retaper tous les bruits là. Ouais. Prends ton temps, hein. Personne ne vaincra. Oui, c'est barré. Alors n'oubliez pas. Oh là là, il m'a déjà défoncé. Pardon. Mais comment ça? Attends, mais j'ai un truc. Pourquoi ça a marché tout à l'heure, ça marche plus? Je peux pas perdre.
Juste que je comprenne le pattern. Il y a un pattern ici. Ce jeu est gratuit. Ce jeu est gratuit. D'ailleurs, vous pouvez dire GG, Raffle, tout ça. Mais du Valunet, n'oublie pas, je suis hors stream. Tu n'existes pas hors stream. Oh non, il va changer de pattern. Non. Non, hein. Par contre, j'aimerais bien que la caméra elle change de pattern parfois. Elle passe de mauvais à bien. Mais l'émulateur peut pas planter, cet émulateur il est parfait. Il peut pas planter. Si l'émulateur plante, on banne Beyond. Oh, ne parlez pas d'Hatchoum, ça me rappelle un disparu. Merci Alexis. Les coupures de courant. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ah, il est violent. Ah, je brûle. Ah, mais ça brûle beaucoup, hein. Je connaissais personnellement les 7 nains, putain. Oh non. Mais je vois rien. Je sais pas où je vais. Je vais perdre. Ah putain, c'est avec sa musique, avec cette musique de l'angoisse en plus. Oh non. Je vois rien. Ah. Oh, mais il se fait défoncer. Pardon. J'ai vomi 8 fois. Si vous avez mal à la tête, c'est normal. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Mais non! Puis on dirait qu'il nage. En plein cauchemar. Non, mais je pense que j'ai raté un truc. Parce que ça peut pas être si difficile. Parce qu'après tous les boss que j'ai fait, enfin après les deux boss, les deux trucs avant là, ça peut pas être possible que ça soit ça. Je pense qu'il y a un truc que j'ai mal compris. Il est où? Il est où? Parce que Duvalounet peut pas penser que c'est un. Peut pas penser que c'est un chef-d'œuvre ce jeu avec ça. C'est pas possible.
C'est pas possible. Je ne peux pas le croire. C'est pas possible. Est-ce que j'ai déjà dit que c'était pas possible? Bon, après, c'est la fin, tu vois. Généralement, si tout se passe bien. Ah, mais si tout se passe bien et que la fin, c'est une fin avec un ro, tu vois, c'est compliqué. Finalement. Ah ouais, ça me donne le tournis, moi aussi. Hein. Je suis pressé que ça se termine. Je t'avoue. J'ai envie de bourrer. Mais bon, je me dis que si je bourre, ça va être la fin et je vais devoir recommencer. Quoi. Faut être fort, quoi. Oh, c'est pas fini. Ah oui, j'ai dit que c'est pas fini, c'est fini. Oh. Maudit sois-tu, chevalier. Je suis fini. Pourtant, si je dois échouer, personne n'en réchappera. Tu es condamné, Fortesque. Tu ne quitteras jamais ce domaine. Ça va. C'était mieux que la blague du ro. Hein. C'était mieux que la blague du ro. Dégueulasse, soigné. Pas naze la fin là pour l'instant. Pour l'instant. Regardez, tout le monde est content. Ça c'est encore un problème de puriste. Et là on va se coucher et puis on va être tranquille quoi. Faire dodo. Voilà, c'est très bien. C'est ok. C'est très bien. Ah, mais ces extrémistes, hein. Bande d'extrémistes! C'est très très bien! C'est très très bien! C'est très très bien! C'est très très bien! Épique! Épique, épique! Épique. Alors, faut démarrer Nymellia. Enfin, faire Nymellia. Faudrait que je change le nom de mon bot. Ça va me rappeler des moments difficiles. Du coup, pourquoi Nymellia nous quitte? Le vrai travail. Ah! Arrête d'en parler, ça me met pas bien.
Ça me met pas bien. Bref, allez, on va lancer le raf. Ah! Du coup, eh bien, le jeu est terminé. C'était un très bon jeu, c'est une note verte, bien entendu. Et vous pouvez participer au raffle. Allez-y. C'est le moment. Raflez. Profitez. Profitez de ce moment pour rafler. J'ai pleuré. Hop! Du coup, Medieval, c'est terminé. Hop. Enfin, non, là, juste après, c'est Tomb Raider 2. Et c'est qui m'a donné Tomb Raider 2 déjà? Je sais plus, moi. Oh, j'oublie. Je suis un peu vieux, ouais. Bon, alors, malheureusement, Ikoban ne pourra pas gagner ce raffle. Quel dommage! Vraiment? Ah, bah, regardez. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas voir. Mais Ikoban ne pourra pas gagner ce raffle. Ah, je pouvais enlever son image, mais j'ai pas pu. Dommage. Les pires. Oui, c'est qui a donné le jeu du coup? Ah, bah non, vous voyez pas. Oh, j'ai mis Triple Deluxe. Bah, vous avez vu que j'ai tapé Triple Deluxe. Alors, bit.ly. Bit.ly, Retro Saga. Hop. Du coup. C'était Kiwi. Alors, bien sûr, merci encore Skyno de m'avoir permis de jouer à Medieval. C'est vraiment très gentil de ta part, bien entendu. On te fait plein de bisous, plein de poutous. Bien sûr. Hop. On place ça là. Ah, il y a une scène post-générique, pas du tout. Allez, encore 15 secondes. 15 petites secondes. Et puis on passe. Et puis voilà. Voilà. En espérant bien sûr que Sev gagne. Qui pourrait gagner? Finalement, ceux qui n'abusent jamais. Tiens, Minami n'a jamais gagné, je crois. Peut-être. Ah, je sais pas. Faudrait peut-être laisser un raffle à Coco quand même. Allez, on tire le gagnant, c'est bon. Faudrait quand même laisser un raffle à Coco, la pauvre. Elle pourrait gagner un non-autocollant. Allez, ça serait bien. C'est parti. Préparez vos randoms. Attention. Il y a très longtemps, dans le royaume de Galomé, et c'est... vivait un sorcier appelé Zarok. Et Zesna, bravo. Bravo. On a failli tomber à côté vraiment de cette catastrophe. Mais c'est Snap qui gagne, bravo. De toute façon, il peut pas donner un jeu de merde, c'est pas possible. Du coup, GG Snap va pouvoir choisir un jeu dans une liste tellement petite que ça sera bien. Merci. Eh bien, ça sera Tony Hawk. Pas de souci, avec plaisir. Ça va être compliqué hein, avec la maniabilité, je pense. Mais je suis désolé, Coco. Hein. Je suis désolé. Hop. Du coup, ça sera Tony Hawk. Encore de la PS1, finalement. Encore de la PS1. Enfin, tous les jeux PS1 avant de faire autre chose. Pour Skater. On va mettre Tony Hawk 2. Hop, comme ça au moins. No luck, ouais. Respect tes snaps, c'est pas un random. Oh, les pires. J'appuie sur les boutons, puis c'est bon. J'appuie sur tous les boutons. Mais non, mais ça va pas être si simple, hein. Vous savez, je pense que ça va pas être si simple. Il a acheté le streamer, bien entendu. Il est un peu random, un peu. Mais quand même, non. Voyons. Quand même. Je vais pouvoir changer d'avatar, oui. Oui, bah ça va. Cet avatar là est pas trop violent. On a vu pire. Cet avatar était plutôt. Et ça va, ça passe. Ça se népense. Il est normal.
Attends. Bien sûr, Tony Hawk, 100%. Bien entendu, tous les jeux que je fais, ils sont à 100%. Je vais vraiment plus loin possible. 100%. Bah oui, là, ça va. Ça va. Il y a pire. Il y a pire. Bah, il y a Ecoban, finalement. Finalement, il y a Ecoban. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc il n'est plus modérateur, hein. Il a une épée mais il n'est plus modérateur, il aime bien dire ça maintenant, qu'il est libre, Max finalement, et ça c'est beau, c'est beau. Oui, et bien c'est fini, bonne soirée, cassez-vous. Bah de quoi, bah je sais pas, tu dis que tu veux partir, tu dis que t'en as marre, libre de choisir son avatar bien entendu, il est libre. Tu fais que me dire que t'en as marre. Alors moi, j'essaie de te libérer de cette étreinte, te libérer de finalement de tout ça, afin que tu puisses aller mieux. Bien sûr. Bref. En tout cas, eh bien, pour résumer, Medieval, c'était très très bien. Je suis pressé. Je vous avoue de faire le remake qui sera l'année prochaine. En fait, ça a été une bonne et une mauvaise idée. C'est-à-dire que c'était une mauvaise idée parce que de faire Medieval, parce que si imaginons je voulais découvrir le jeu, eh bien j'aurais le remake. Bah voilà, tu vois, c'est un peu dommage parce qu'il arrive dans pas longtemps. Mais ça a été une super idée parce que j'avais pas trop envie de le faire et le fait de le faire là. Bah je me suis dit, putain, mais c'est un chef-d'œuvre. Bah oui, c'est un chef-d'œuvre. Sauf la caméra, bien sûr. Et je suis du coup très content de l'avoir fait. Oui. Et Tony Hawk. Car Tony Hawk, j'ai joué il y a très longtemps. Peut-être même pas longtemps, d'ailleurs. Enfin, très longtemps, mais pas longtemps. C'est pas clair, bien sûr. Et Tomb Raider 2, bah ça va être l'angoisse. Ça va être bien. Demande un VIP à la place d'épée, Coban. Bien sûr. Non, mais je suis horrible avec lui. Vous pouvez le dire, hein, je suis horrible. Hein. Demandez à Nimelia, vous allez voir, elle va vous dire toutes les horreurs que j'ai faites. Bref. Allez, je vous mets 5 minutes de pub. N'hésitez pas à rester pour les pubs. C'est ce qui me rémunère, c'est important. Je vais faire à manger, moi. Je vous dis bonne fin de soirée. Merci à tous d'avoir été là. C'était bien cool. Merci à Duvalounet, même s'il n'était pas là. Merci d'avoir été là hors stream. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ce moment-là où vraiment je vous ai senti dans ma tête, c'était assez important. Bref. Et des bisous. À demain. À demain matin pour Pokémon. Hein. N'oubliez pas, à demain matin Pokémon. Venez parce que ça va pas durer longtemps. Et demain soir, Console Mania, génial. Ça me donne envie. Au revoir, des bisous. Bonne fin de soirée.